Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et nous allons continuer pour cet épisode, le Labo Azcode. J'espère que vous allez bien et que vous êtes, tout comme moi, emballés à l'idée de ce nouvel épisode. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, le principe, et je vais vous montrer tout de suite, hop, on passe sans plus attendre. Sur le schéma, le principe, c'est donc de créer en machine virtuelle un labo qui a pour principe quelque part de faire une sorte de maquette d'Internet. C'est-à-dire qu'on a ici au milieu des routeurs qui font un petit cercle ensemble. Ils font la ronde, les routeurs, qui représentent en fait des fournisseurs d'accès à Internet fictifs. Et puis derrière, on a des services. Alors on est en train de s'occuper de faire ces services. Et bientôt, je l'espère, on pourra rajouter encore plein d'autres choses pour pouvoir utiliser ces services, pour pouvoir les user. Et voire même, puisque le but c'est quand même d'apprendre, ben aussi en abuser. Alors, le principe, c'est donc que tout cela est en machine virtuelle. Bonjour à toi, Nonagfrod. Bienvenue sur la chaîne. First time chat. Donc tout ça est en machine virtuelle. Alors je vais, comme à mon habitude, prendre ma petite souris et voilà, tout ça c'est de la machine virtuelle. Et tout se trouve sur une seule machine physique qui fait office aussi de routeur principal et qui est ici. L'avantage que ça nous donne, c'est que si un jour on veut déconnecter tout ce labo d'Internet, et eh ben il suffit en fait, entre guillemets, de couper ces deux liens. Voilà. Ces deux liens-là, il suffit de les couper. Et notre truc est complètement, j'ai envie de dire, air gap. Salut à toi, M3Tage. Et donc, c'est plutôt pas mal. On a donc chaque routeur en fait est relié à deux autres routeurs. C'est pour ça que je disais qu'ils font la ronde, puisqu'on a du coup une sorte de topologie en anneau, mais en fait, l'idée c'est juste qu'avec le routage dynamique. Le protocole BGP, on peut ensuite, on peut par exemple depuis cette machine-là accéder à celle-ci. Et si jamais on décide de couper un des équipements de type routeur là sur le chemin, eh ben on peut quand même avoir du trafic qui passe. Le principe, hein, l'un des autres principes, c'est que donc ces machines virtuelles, je les monte pas une à une à la main et je les configure pas chacune. J'ai envie de dire aux petits soins, enfin, petits soins un peu quand même, mais pas non plus de façon juste manuelle en allant éditer moi-même les fichiers de conf. Le principe, c'est que tout ça est fait avec des outils d'automatisation et d'infrastructure Ascode, d'où le nom Labo Réseau Ascode. Quels outils sont utilisés? Eh bien, en fait, pour déployer les machines virtuelles, j'utilise Terraform. Avec un plugin qui est le plugin KVM, puisqu'en fait tout ça est sur une machine Linux qui utilise KVM libvirt. Donc il y a un plugin libvirt pour Terraform, enfin un provider, pardon, libvirt pour Terraform. Et donc ce provider me permet de déployer des machines virtuelles, comme ce routeur-là, comme cette machine virtuelle-là ou celle-ci. Et il va aussi créer les réseaux virtuels. Alors, pas celui-ci, mais par exemple, ce réseau virtuel-là, il est créé via Terraform, ainsi que celui-ci. Ensuite, pour on va dire, la première configuration des machines virtuelles, ça utilise CloudInit. Ça permet d'avoir une première configuration qui est fonctionnelle pour des trucs de base, par exemple, créer un utilisateur, lui donner une clé SSH, de façon à ce qu'on puisse facilement s'y connecter sans mot de passe. Salut à toi, Digitalaise, j'espère que tu as passé une bonne journée. Enfin, troisième outil, et non des moindres, puisqu'on va, je pense, passer la soirée sur cet outil-là, eh bien, c'est tout simplement Ansible, qui va nous permettre justement d'automatiser d'autres réglages et de déployer des configurations. Alors, la partie Ansible est un petit peu plus spécifique, puisqu'en fait, on vient récupérer justement tous les codes des playbooks sur cette machine-là. Et on a mis une authentification par clé SSH sur tout le parc, j'ai envie de dire, sur toutes les machines.
et celle-ci peut donc aller sur toutes les machines et déployer des choses via Ansible. C'est voilà, le principe. Alors, un autre point sur lequel on peut se poser des questions, c'est est-ce que vous, derrière votre écran, vous pouvez en faire autant? Et la réponse est oui, vous pouvez en faire autant. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, et je vais vous le montrer hop, dans une nouvelle fenêtre, c'est parce que tout le code est ouvert et chaque fois que je termine une étape, bien entendu, je vais faire un commit et un push de mon code pour aller sur ce dépôt, sur GitHub. Voilà. Et donc, le projet s'appelle donc Lab as Code et je vous donne le lien. Hop. Et bien entendu, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, normalement, vous aurez le lien GitHub qui sera en dessous. Donc, vous pouvez cliquer et aller regarder le code tel qu'il a été sans doute d'ailleurs mis à jour depuis le tournage de cette vidéo. Alors, lors de la semaine dernière, on n'avait pas commité, on n'avait pas fini, puisque, quand on peut voir ici sur le dernier commit, on avait parlé installé Nginx et PHP-FPM sur une machine, mais on n'avait pas encore installé la base de données MariaDB, et la semaine dernière, en fait, on avait avancé sur MariaDB sans toutefois finir. Donc, premier objectif de ce soir, je l'espère, ce sera de finir la configuration de MariaDB, au moins une configuration basique. Voilou, l'objectif de ce soir. Allons-y. Donc, autre petit truc, tiens, tant que j'y suis. Les machines virtuelles ont bien entendu été toutes démarrées. Hop, on les voit là. Il y en a ici. On peut aller d'ailleurs se connecter hop, sur l'hyperviseur en SSH. Hop. Salut à toi, The Tourist. Bienvenue. Et si je fais un petit sudo vir/sh list, voilà, on peut voir l'intégralité des machines virtuelles du lab, tous les routeurs, les deux DNS et toutes les autres machines qui pour l'instant s'appellent des VPS. Ça, je l'ai démarré avant le stream. Je me suis connecté en SSH sur le VPS 1. un touriste grec. Je me suis connecté en SSH donc sur cette machine-là. Je me suis mis un petit Emux pour être tranquille. Et on va pouvoir aller se rendre dans SRV git la base code Ansible. Et on peut voir donc que j'ai encore un certain nombre de modifications qui n'ont pas encore été commitées. Ce que je peux faire aussi, c'est que grâce à un tunnel SSH que j'ai monté en me connectant sur cette machine-là, je peux vous montrer, hop, ici, je peux vous montrer, si je fais un http://isp3vps1.example.com, voilà, là, j'ai un premier site statique, ça me permet de visualiser, on va dire, le bon fonctionnement de cette partie-là. Par contre, je suspecte que si je fais un isp3vps3.example.com, la connexion a échoué. Et de mémoire, je crois que c'est parce que on n'a pas de Nginx qui se lance automatiquement. isp3vps1.example.com. Hop. Status Nginx. Donc on peut voir que... Ah tiens, il est actif. Non, il est actif. isp3vps1. Hop, allez. On va essayer de se mettre en HTTP. Ah ouais, non, c'est... Ah oui, c'est le VPS1. C'est pas le VPS2. Je crois que je me suis du coup trompé aussi sur le nom ici. C'est VPS2. En HTTP, puisque pour le moment, je n'ai pas d'HTTPS. Et il insiste... Mais je t'ai dit en HTTP uniquement. Ah, mais il insiste pour aller sur l'HTTPS, c'est dingue ça. Alors, salut à toi Xavier. CTL, status, Nginx. Mais voilà, loaded, disable, disable. Ok, c'est parce que donc il est inactive. C'est pour ça qu'il chouinait. Donc maintenant, si je fais un petit start. Là maintenant, il est démarré. Voilà.
Donc là, j'ai une erreur, le truc qui dit config file not found, ça c'est normal, on l'a pas encore configuré. Bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est que globalement, les bases sont prêtes. On peut aussi s'assurer que systemctl status, on va peut-être faire MariaDB. Lui, il a l'air d'être lancé. Et on va pouvoir reprendre un peu là où on était resté. On va aller toucher, je pense, à ça. On est bien sur le rôle DVWA, oui. Bon, t'as passé une bonne journée, j'espère, Xavier. Puisque bon, je demande quand même aux gens comment ils vont. Et moi, pendant ce temps, hop, la petite tisane avec du miel, histoire de tenir le coup pour les 2 heures de live. Ça va, ça fait pas trop chaud. Ah. On est un peu en ambiance chill hein, ce soir, pour l'instant. Ah, VMware ESXi. Alors, je t'avoue que les produits VMware, pour le moment, me sont quand même pas mal étrangers. Et d'ailleurs, la blague, c'est que la dernière fois que j'ai voulu essayer justement de télécharger VMware ESXi, en me disant, il faudrait vraiment quand même que je me mette à VMware, en fait, je me suis créé un compte, mais je n'ai jamais réussi à le télécharger. Je crois que le truc est gratuit, ou au moins en éval gratuite. Pas moyen de réussir à obtenir un lien de téléchargement. Alors, où en étions-nous? Donc, PHP... Ah oui, tiens, on a... Ah tiens, c'est bizarre ça, j'avais commenté... Alors, attends. Je crois que il fallait que je fasse... ça... et que j'aille éditer sans doute celui-ci aussi. Et dans les rôles... Non, ça c'est les... Oui, ça c'est les... Ok. Pourquoi est-ce qu'on a PHP et PHP MySQL qui sont... Parce que de mémoire... Ah oui, on a les variables aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Hop. Et... on va prendre les variables. Voilà. Donc ça, ce sont les variables. Et effectivement, j'ai bien PHP packages. Donc ça, normalement, en théorie, je devrais... Mais je crois qu'en fait, il dit que c'est genre défini deux fois ou une bêtise comme ça. Mais pourtant, là, c'est dans les rôles. Role requirements. Donc ok, c'est installé là pour les requirements, mais alors est-ce que je devrais pas peut-être aller chercher hop, sur le grand internet rapide et convivial, enfin mondial et convivial, est-ce que dans les rôles Mansible role requirements. For example. En gros, ce qui m'intéresse, c'est de voir si je peux pas dire pour tel rôle, j'ai tel requirements. Ou voire même mettre le fichier de requirements dans le rôle. D'accord, donc je peux faire un include role. Mais je crois que quand je faisais un include role, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'il puisse me... que ce que je puisse faire, c'est faire une commande de... Si je reviens ici, je vais me déconnecter. Server basecode ansible.
Si je me fais un petit history, grep, Ansible, playbook. Remarque, je vais faire un requirement. Donc, ce qu'on avait fait. Ah oui, on avait le Ansible Galaxy. Donc, j'ai un requirements ici. J'ai des collections. Ansible Galaxy Gerling Guy. Puisque donc j'utilise les rôles déjà existants de Jeff Gehring, qui a fait pas mal de trucs de qualité. Et donc il y a, voilà, il y a des collections. Et alors qu'est-ce que c'est PHP Roles? J'ai quoi? A priori j'ai tout ça qui viendrait en dépendance. Alors, j'ai pas besoin de tout. Et ensuite, on peut utiliser le rôle dans les playbooks en faisant un rôle. Ok, qu'est-ce qu'il a d'autre dans ses collections? Après, c'est des rôles. Ok. C'est sympa d'avoir mis AdMiner derrière, d'ailleurs, en plus. Bon, je suis pas convaincu par la collection en entier. Et si jamais... Ce que je peux faire, peut-être... Ah bah oui. Ce que je peux peut-être tenter... C'est de faire un MV du role requirements.yaml dans role dvwa. Et si jamais je tente. Tiens, je n'ai pas le dvwa. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pas dû avoir le. On va faire ça et point slash dvwa. Donc le moins grand C, moins grand D, hein, c'est surtout pour faire un check, en fait. De cette façon, on sera tranquille. Il va pas commencer à nous faire des modifs alors qu'on lui a pas demandé grand chose. Donc normalement, il devrait juste me dire, au fait, tout va bien. Enfin, j'espère. Alors bien entendu, vu que j'ai démarré un petit peu tard ce soir, normalement je vais terminer en décalé, enfin en décalé. Du coup, j'ai terminé un petit peu plus tard. Je vous ai même pas demandé si le son était correct, mais bon, a priori, personne ne s'est plaint. C'est plutôt bon signe. Pendant ce temps, hop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà des rôles en particulier côté Ansible. Cra, son nickel. Son et ambiance nickel. Ah bah écoutez. Tant mieux, comme ça on passe une soirée tranquille. Et bien entendu, il y a un truc qui va pas. Bah ça va être intéressant, voilà. Parce que je crois justement qu'on avait fini sur un... On avait fini, je crois, la semaine dernière sur un petit souci. Avant d'attaquer ce petit souci, tiens d'ailleurs, j'ai vu certains streamers utiliser une commande de shootout. Si j'ai bien le nom. La prononciation en anglais. Parce que je pense un petit peu... Slash shootout. Hop. Shootout. Et est-ce que... Non, sérieux? Ah, mais c'est peut-être que, en fait, je peux faire que à quelqu'un qui est en live. Enfin, qui est en live, qui est ici, dans le coin. Et a priori, je peux pas le faire sur les gens. Want to provide an easy way for viewers to follow another channel.
Bah si, c'est ça. Shootout. Et ce que je voudrais, c'est vous inviter, si vous ne le suivez pas déjà, à aller voir Rancune. Alors. Back to Twitch. On va aller rechercher parce que je crois qu'il a un underscore dans son nick. Et je voudrais éviter de vous envoyer vers le mauvais Rancune en fait. Et il aurait du coup toutes les raisons d'être rancunier envers moi. Hop, et c'est bien Rancune underscore. Voilà. Underscore. Voilà. Et comme il est gentil en plus, il... Merci. Merci de... Merci d'avoir ri, Alex. Hop. Donc, est-ce que ça marche? En plus, il est en train de hoster mon live. Donc, c'est très gentil à lui. Donc, raison de plus de faire un petit shootout, d'utiliser la commande Twitch. Alors, du coup, c'est un peu... comment dire? Il n'y a pas énormément de trucs. Alors, vous ne le voyez pas là-haut dans le chat. En tout cas, à l'affichage. Mais dans le chat Twitch, ça l'est. Et de cette façon, je vous invite à aller voir un peu ce qu'il fait quand il n'a pas des soucis comme en ce moment. Ou malheureusement, il n'a pas pu streamer ce soir. Alors, on stream en ce moment un peu sur les mêmes horaires le jeudi, mais c'est pas grave. Alors. Ah oui, et Rancune fait de l'électronique en fait. J'avais oublié. Truc important. Donc, allez poser vos follow de ma part. Vous ne serez pas déçus. Pendant ce temps, donc, could not resolve module action MySQL user. Ok. Donc, on va. Ah oui, c'est qu'en fait, il me manquait le. Il manquait peut-être le nom d'utilisateur dans les variables. Ah si, MySQL user, il est là. Hop. Pourtant j'ai le Garinga MySQL. Alors, MySQL underscore user. Alors est-ce que je me serais pas trompé effectivement comme il dit dans le MySQL underscore user? Non, ça a l'air d'être bon. Je le retape, on sait jamais, hein. Des fois il y a des caractères, des fois des trucs un peu invisibles qui passent. Hop. Secure installation. Ouais, ok, allez, c'est reparti. On retente. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut espérer... Ah oui, d'accord, ça le okay, ça il le fait toujours. Donc là on a bien entendu toute la partie Nginx, puisque donc j'utilise le rôle officiel Nginx. Le truc qui est assez sympa avec Ansible. Qu'est-ce que tu me veux toi? Hop, non. Le truc qui est assez sympa justement sur un Ansible Galaxy, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont des... Hop, quand on recherche, je vais aller vous rechercher le truc Nginx. Alors, il y a plein de gens qui font des choses dans leur coin, mais des fois aussi, voilà, Nginx Core par exemple, où c'est officiellement par Nginx, par l'entreprise Nginx. Donc, ça, c'est assez cool de voir que les gens de chez Nginx ont pris la peine de faire, toute une collection Ansible. Non, toujours pas. Donc c'est pas juste le truc qui est mal écrit. Et donc il vient bien chercher dans la base code, ok, dans Garingai.mysql. On va aller jeter un œil quand même au code, on sait jamais. Hop. Ouais, MySQL underscore MySQL. Ah, username.
Hop, allez, c'est reparti pour un tour. Alors, le truc qui m'embête, entre guillemets, avec ma tasse, c'est que moi, j'aime bien vous montrer le passage de celui-là, là, de la tasse. Mais le truc, c'est que comme à la base, moi, je suis droitier, si je la tiens de la main droite comme ça, bah, en fait, vous voyez rien. Il n'y a que moi qui vois l'inscription de la tasse. C'est un peu dommage. L'occasion de rappeler qu'il faut toujours lire les documentations. Et le rappel vaut surtout pour moi, en fait. Tenez, tiens, histoire d'avoir un petit peu d'activité dans les commentaires, j'ai envie de vous proposer un truc. Est-ce qu'il y en a qui, récemment ou pas récemment, se sont plantés et ont fait une bourde? Ou une petite bourde, un truc marrant à raconter. Ah, donc c'est pas MySQL username. Alors qu'est-ce que c'est que cette erreur? Il doit me manquer les modules community.mysql. Alors, The Tourist. La question que je me pose, c'est est-ce que dans ce cas-là, le rôle de Jeff Gerling. MySQL user password. Est-ce que j'ai paramétré un password là-dedans déjà? Non, en plus. Parce que je suis même pas sûr que le truc installe. Les modules community MySQL. Alors quand tu parles des modules community.mysql, je suis pas sûr de voir. Oui, il manque MySQL underscore user. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le MySQL underscore user, et il est censé être défini. Alors attends. Ça, c'est le MySQL user système. When MySQL underscore username est différent de MySQL root username. Girling guy MySQL include task. C'est la commande Ansible qui manque. Ah! Ça doit être ça, effectivement. Alors pourtant c'est une collection. Je comprends pas. On va l'installer, on verra bien. Hein. Et on va relancer notre playbook. Bon, voyons voir ce que ça donne. En train de me dire aussi, c'est vrai qu'à l'occasion, je crois même que je l'ai dit la semaine dernière que ça pourrait être pas mal que je fasse des tags sur les différentes tâches pour pas avoir à les redémarrer tout le temps depuis le début, vu que du coup ça prend un peu de temps. Surtout que le rôle Nginx étant assez complet et valide pour plein de distrib, il fait plein de checks en fait en début de pendant les trucs. Et vous voyez, il les saute, enfin il saute régulièrement des trucs. Eh bah écoute, The Tourist, je crois que tu viens de. Ah bon. MySQL module is required. Alors déjà,
tout ça là, tout le truc là, là on voit que ça a avancé bien plus loin qu'avant. Donc déjà, The Tourist, bravo. Merci pour le tuyau. Ce que je vais vouloir faire, du coup, c'est que ce n'est pas dans la partie Ansible, mais dans la partie Cloud Init, ISP1, VPS1, User Data, et on va aller lui rajouter, un petit package. Hey, merci beaucoup pour le follow. Hop là, Drevested, merci à toi. Et merci aussi pour le follow, Cypher, merci à toi. Alors, on avait installé quoi comme package? Hop, DNF, install, hop là, install. On a installé ça. Hop, et on va enlever le point dans Arch. Et git commit. Alors oui, non. Ah, je suis flûte. On va se mettre ici. On va aller dans... Hop, HP Nielsen, la base code. Voilà, on va faire un petit rsync vite fait de ISP1 VPS1. Hop. Tac. Dans point slash, ça très bien. Skip. Ah oui, rsync. Hop là, moins AVP. Remarque, on va juste faire la partie Ansible. Voilà. Git status, on a à peu près les mêmes choses. Et je voulais faire pareil sur Cloud Init. Hop. Et là, on a le Cloud Init. Allez. On va committer ça vite fait. Add Ansible MySQL. Community package useful for managing MySQL and MariaDB servers. Hop. Et on va juste regarder un instant. Alors, hop, je ne vais pas forcément vous le mettre à l'écran, mais si je rafraîchis du côté de GitHub. C'est bon, le commit est passé. Il a été poussé. Quelle version d'Ansible? Excellente question. Hop. Et je suis actuellement sur un Ansible Core 2.12.7. Alors, j'ai pas forcément passé les mises à jour sur la machine, tiens. Clean. Oui, clean all. Si je fais... upgrade. Je pense que j'ai pas mal de mises à jour de retard sur la Fedora. Puisque là, sur le lab, honnêtement, je suis assez, assez laxiste sur les Fedora. Enfin, pas sur les Fedora, mais je veux dire sur les mises à jour de manière générale. D'ailleurs, First Time Chain, bienvenue à toi, Carbex. Et salut à toi, Bilouret. J'ai pas passé les mises à jour sur ma machine Famous Last Words. Bah, disons que sur le lab, c'est moins gênant. Merci beaucoup pour le follow, Sheldon. Merci à toi. Ah, et merci aussi à Noscure. Merci beaucoup, Noscure, pour le sub avec Prime.
L'occasion d'ailleurs de rappeler que si vous avez un compte Amazon Prime, sachez que vous avez un sub que vous pouvez offrir, enfin offrir, que vous pouvez donc faire un sub chaque mois et qui ne vous coûte rien. Donc merci d'avoir profité encore une fois de ce sub, de ce Prime, de ton Prime Noscure, pour m'en faire cadeau. Merci à toi. Alors, voilà, j'ai 214 packages à mettre à jour. Et alors, hop, le micro qui bouge encore. Enfin, je tape dans le micro. Et alors, la question, c'est est-ce que. On va faire un check update plutôt. Pipeless. Hop. Normalement, il devrait le faire un peu. Voilà. Alors, est-ce que j'ai de l'Ansible? J'ai Ansible Core, tiens, qui est en 2.12.9. Tiens, on va peut-être faire ça. Tiens, on va peut-être mettre à jour Ansible Core, histoire que. Histoire que tout soit raccord niveau version. A priori, il vient pas avec des dépendances en plus. Et normalement. Oh bah, ok, les versions sont pas forcément mises. Comment dire? Elles sont pas toutes ensemble, c'est juste ouais, selon les projets. Ok. Salut à toi, Fred. Allô la planète, que la force du noyau 2.4.36 soit avec vous. 2.4.36. Ça ne nous rajeunit pas le noyau 2.4.36. C'est un numéro que. Hey, salut à toi, Virtual Labs. C'est gentil de passer nous voir. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ce numéro de noyau a déjà existé? Linux kernel. Tiens, on va regarder ça ensemble tout de suite. Hop. Linux kernel 2.4.36. On va rire. Oui, effectivement, il y avait des vulnérabilités reliées à ça. Et sur kernel.org, est-ce qu'on aurait des infos sur quand est-ce qu'il est sorti celui-là? Ouais, bon, en fait, je pense que si je tape dans les. Ouais, non, ok. Ah là là, si je tape changelog, qu'on rigole un petit peu. 2, 4, 36, 7. Alors il y a un truc sur Linux Weekly News. Alors déjà la RC1, elle était sortie en 2007. Oh là là, 2007. Ah, et c'était Willy Taro qui avait sorti la RC1. C'est même pas Linus. Alors pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a de spécial Willy Taro, c'est que c'est aussi le créateur de HAProxy, si je ne m'abuse. Un bon logiciel de load balancing. Merci beau. Oh, ça c'est gentil, Virtual Labs. Merci pour le follow. Merci. Il est le main maintenant des 2.4. Ah, ok. Oui, j'imagine que la branche 2.4, à l'époque, elle devait déjà être. Parce que le 2.6, il est sorti quand? Si je tape Linux kernel 2.6.0 release. Ouais, c'est ça, il devait déjà y avoir le 2.6. Et Slashdot dit que le 2.6.0, il a été sorti. Ils disent ça quand? Ça a été posté en 2003. Donc le noyau 2.4 avait encore de la maintenance. 4 ans après le 2.6. Ah, j'avoue, c'est. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein.
Sérieux? Ça fait seulement 3 ans qu'il est end of life, le noyau 2.4, le noyau Linux 2.4? Non. Alors, Virtual Labs, moi je reste quand même un peu étonné parce que malgré tout, ça fait longtemps quand même. Je comprends qu'il y ait besoin de faire comment dire? Parce que là, quand on regarde actuellement les noyaux officiellement maintenus. Voilà, 2007, décembre 2016 pour le 4.9, qui est a priori la version la plus vieille. 2016 jusqu'à 2023, ça nous fait 3 ans. Enfin, non, ça nous fait 7, pardon. 6 ou 7 ans, ouais, parce que là c'est décembre, on va dire 2017. On va dire janvier 2017. Et de 2017 à 2023, ça fait 6 ans, quoi. Enfin, même pas janvier. Non, ça fait plutôt 2022, on va dire. Ouais, ça fait 5 ans. Donc il y a 5 ans de maintenance sur les kernels. Oui, 5 ans de maintenance, moi ça me paraît pas mal. Enfin, c'est honnête. Après, voilà, faut des gens pour les maintenir. Faut des gens. Et alors ok, il y a écrit mainteneur, mais derrière il y a plein de contributeurs qui vont mettre du code et du coup faut quand même les faut quand même agencer, enfin faut quand même organiser tout ça. Donc bravo quand même à tous ces gens qui continuent de maintenir des noyaux qui ont plusieurs années. Ah bah oui, non mais Carbex, alors pour le coup Red Hat à la limite moi je les mets dans une case séparée. Alors en tant que justement utilisateur de Fedora et avoir utilisé pendant longtemps de la CentOS et même encore un peu aujourd'hui et pour avoir travaillé avec de la RHEL dans le passé, oui Red Hat ils sont mais en même temps Red Hat ils sont staffés pour ça et c'est aussi pour ça que les gens payent du support à Red Hat. Ah ben bien sûr Carbex, oui bien sûr il y a des dev kernels. Mais justement, voilà, c'est ça. Tu mets exactement le doigt dessus, Carbex, c'est que leurs modifs sont peut-être pas forcément toutes ramenées upstream. Voire même des fois, en fait, ils vont rétroporter des modifs de versions de kernel plus récentes dans les noyaux Red Hat. Et si je puis me permettre de chipoter. RHEL 6 de mémoire est sorti en 2010. 2010, 10 ans de support standard, ça fait 2020. Ah ouais, RHEL 6 et End of Life, sauf pour les gens qui ont pris le support étendu. Et je crois que c'est 3 ans max. Donc RHEL 6 est en train de vivre ces derniers mois. Par contre, c'est rigolo, t'as des patchs dans le module. Ah! T'as contribué au module MySQL d'Ansible? C'est chouette ça, Carbex. Raconte-nous, qu'est-ce que t'as fait de beau dedans? Pendant que je regarde à nouveau, moi, mon code. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Pour le support des fichiers texte non UTF-8. Oula. Ah oui, tiens. Nonagfraud, parce que tout à l'heure, j'avais demandé, racontez-moi si vous avez fait des bourdes. Des petites bourdes informatiques marrantes. Donc Nonagfraud nous livre sa petite histoire. Premier job sous Unix, chacun son poste de travail avec son répertoire perso sur le mainframe. Et donc tu crées un alias RM pour RMDir, trop long à taper, avec option moins RF. Warning, mais comme c'est toi qui l'utilises, tu connais le risque de la commande. Et tu cales sur un truc, tu demandes de l'aide à un collègue. Il vient sur ta session, il fait un RM de la racine de ton répertoire de dev. Sauf que l'option activée. Ah bah oui, supprime toute l'arborescence de la machine. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et c'est à cause de ce genre de choses, je suppose, qu'aujourd'hui pas mal de gens mettent des alias RM-I. Moi le premier. Non, enfin, moi le premier.
En fait, même je crois que par défaut sur certains systèmes, il y a des alias RMCP et MV qui sont en moins i. Et donc Carbex qui nous reparle de son module MySQL pour Ansible. Le module ne supportait pas autre chose que du TF8 et tu étais en mission pour un fournisseur qui te balançait des fichiers de DB en ISO française. Ah bah oui. Ok. Et le fournisseur avait pas la possibilité de passer en UTF-8, je suppose. Il avait pas la possibilité, ok. Ouais, belle boulette, Nonag Fraud. Belle boulette. La cerise sur le gâteau, les backups sont corrompus. Ah mince. Ah oui, Louis, j'imagine que le temps que des nouveaux backups soient faits et que on espère. Personne ne va demander la resto des backups. Personne ne va demander la resto des backups. Allez, on croise les doigts. Alors, allons-y. Une bourde marrante de Virtual Labs. Alors, une fois lors d'un pentest chez un opérateur de téléphonie mobile, tu auditais des serveurs critiques. En fin de journée, tu fais un shutdown sur la machine. Enfin, tu croyais, car en réalité, il était en train de shutdown composant critique. Ok, ouais, elle est belle, Virtual Labs. Alors, moi aussi, le shutdown sur la mauvaise machine, je l'ai déjà fait, mais je l'ai déjà fait à titre perso uniquement, sur mon serveur dédié à l'époque, et je ne retrouvais pas sur l'interface web du fournisseur de dédié où rallumer la machine. J'ai envoyé un message au support en indiquant bah, « je me sens un peu bête, mais je vois pas où rallumer la machine », et je l'ai éteinte alors que je pensais en éteindre une autre. Ils m'ont envoyé un message dans les 5 minutes en mode « c'est bon, on a rallumé la machine, au fait le bouton pour rallumer il est par là ». Et donc le composant critique qui s'appelle le HLR, c'est un truc central qui permet au téléphone mobile de rejoindre le réseau. Home Location Register. Ok, la BDD des utilisateurs en cours. Ah oui. Ah oui. Ah c'est pas rien que t'as shutdown. Ah oui, c'est pas rien. Oui, heureusement que t'avais le gars à côté pour le redémarrer. Joli, joli, bravo, bravo. Ça permet d'apprendre. C'est pas mal. Alors moi, j'en ai fait une aujourd'hui, une sympa. Alors je vais pas exactement te donner tous les détails, mais sur les impacts, mais la blague, c'est que j'avais besoin d'ajouter sur un équipement réseau, j'avais besoin d'ajouter deux VLAN. Deux VLAN. Et sur la commande pour ajouter des VLAN sur cet équipement, il y a une différence entre quand on dit VLAN add et VLAN sans le add. C'est que si on met VLAN sans le add sur le port, et ben on dit le ou les VLAN, ce seront les seuls VLAN qui seront appliqués sur le port réseau. Et si on met le mot-clé add avant les numéros de VLAN, on va ajouter le numéro ou les numéros de VLAN sur le port réseau. Et la différence est... ouais, on peut dire ça, une erreur à la user mode. Mais le truc, c'est que ben, quand tu as déjà une quinzaine ou une vingtaine de VLAN déjà appliqués sur le port réseau en question, et qu'il n'y en a plus que deux... Il peut se passer des choses non négligeables. Heureusement pour moi, j'ai pu assez rapidement remettre les VLAN manquants parce que j'avais tapé une commande pour afficher les VLAN appliqués au port avant, donc j'avais juste à recopier la liste des VLAN manquantes, enfin la liste manquante des VLAN, pardon. Et bon, ça s'est vu, hein. Ça s'est vu. Il y a eu une belle coupure réseau pour pas mal de trucs, ça s'est vu dans les graphes, voilà. j'ai tout de suite dit, ouais, c'est bon, c'est ma faute, voilà, j'ai fait la bêtise. Voilà, il fallait que ça arrive. La blague, c'est qu'un collègue, 2 heures avant, m'avait signalé, attention, quand tu vas faire ces modifs-là, n'oublie pas le add. Donc j'en ai fait 2-3 avant, ouais, c'est bon, j'ai mis le add, et puis il a fallu d'une fois, voilà. Comme quoi, même avec un peu d'expérience, on se fait toujours avoir par des bêtises comme ça. Oui, oui, c'est réparé, donc tout va bien. Ouais, ça, mais ça s'est quand même vu.
C'est ça, il suffit d'une fois, Bilouret, je suis assez d'accord. Donc, The Tourist, qui nous confie. Il y a quelques années, je gérais un OpenLDAP très très vieux. Oh là là, pas d'instance de dev, pas de redondance. Oh, ça commence à faire peur là. Juste une prod parce que YOLO. Il ramait à cause de certaines requêtes faites sur un champ non indexé. Bah, facile, je vais rajouter un index. Alors, je t'avoue que je ne suis pas une sommité en OpenLDAP, donc je te crois sur parole. Sauf que. Un OpenLDAP très vieux, si tu réindexes pas manuellement et que tu requêtes sur le champ, il considère qu'aucune entrée ne correspond. Donc dans les 5 minutes qui suivent, 50 tickets, je peux plus me connecter. Ah. Ah, oui, mais à la limite, c'était quoi? Ça a duré le temps que tu fasses une réindexation, quoi. J'imagine. Mais effectivement, si plus personne pouvait se connecter, pouvait s'authentifier, c'était gênant. Pas mal, bien joué. C'est que ça refroidit vite ce truc. Alors, pendant ce temps, moi, il me dit qu'un module MySQL. Ah bah oui, le module, ouais, ok. Puis MySQL. Our MySQL Python, MySQL Client, or PMySQL. Search, allez. MySQL. Cool Geek qui nous raconte qu'un collègue, une fois en voulant supprimer une route inutile sur le firewall servant l'accès à Internet, n'avait pas vu que la route par défaut était aussi sélectionnée par défaut. Oups! Rip Internet pendant 2 heures, le temps qu'on se rende compte que c'était ça. Ah oui, effectivement. Ah oui, puis alors là, non, hop là. Tiens, je vais le rajouter aussi du coup dans le Cloud Init, ISP1, on a dit VPS1, User Data. Hop. Alors, et on rajoute celui-ci. Hop là. Et par là, je voudrais récupérer. Il va tout me récupérer en plus. Non, c'est bon. Hop, allez, on va commiter directement comme un cochon. C'était sur ISP1, VPS1. Et on a besoin de ce paquet-là. Voilà. Hop. Alors, à quand la config des équipements réseau avec versionning à la Git, ce serait beaucoup plus simple de rollback. Alors, VirtualLabs, c'est plus ou moins déjà faisable. Alors, pas directement sur les équipements réseau, mais tu as pas mal de mécanismes aujourd'hui avec notamment Rancid et Oxidized. Et même quand tu as des solutions de métrologie comme LibreNMS ou Observium, tu as un affichage via page web d'une potentielle, enfin potentielle d'un Rancid ou d'un Oxidized. Et aujourd'hui, sur des équipements récents, tu as ce qu'il faut. Alors, je peux pas te montrer ça, j'ai pas sous la main, mais tu as des équipements réseau qui te permettent de pousser en fait à chaque commit, enfin à chaque modif, la différence ou en tout cas la nouvelle configuration directement sur un repo. Ouais, c'est assez cool. C'est assez cool. Et effectivement, quand tu as des équipements un peu modernes sur lesquels tu peux aller en SSH, faire par exemple des recopies régulières, ce genre de choses-là, ouais, ça se fait bien. Tiens d'ailleurs, hop, histoire de. Oxidi Z. Hop là. Ah oui, non. Hop, Oxidized. Bah, c'est ainsi, c'est celui-là. Hop là. Voilà. On va le mettre dans le
Hop, dans le chat. Et donc en fait, alors celui-là, ouais, c'est du rubis, non? Je sais plus. C'est du rubis ou c'est du pearl? Ah non, c'est du rubis celui-là. Mais voilà, t'as Rancid aussi, qui était très utilisé et qui l'est encore, je pense. Et ensuite, tu as selon, voilà, selon les. Alors non, c'est pas là. Je sais plus où est-ce que t'as la liste des équipements qui sont pris en compte. Mais généralement, les grands classiques, genre Cisco, Juniper, sont pris en charge. Mais il ne montre pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Mais j'ai pas d'oxidize fonctionnel sous la main. Donc je pourrais pas te montrer à quoi ça ressemble dans un. Notamment dans un LibreNMS. Bien. Hop là. Allez, les autoristes qui continuent. Au taf, il y a des Palo Alto qui semblent avoir un historique avec des commits que tu peux consulter. Alors. Ok. Bon à savoir ça. Ah bah tiens d'ailleurs quand puisqu'on parle de justement des erreurs sur les équipements Juniper ont un système de commit aussi. Effectivement que tu peux consulter, mais surtout que tu peux confirmer ou infirmer. C'est-à-dire que tu vas taper une commande genre tu vas taper des commandes, elles ne sont pas appliquées tout de suite. Tu tapes je crois c'est commit confirmed par exemple 10. Et le truc, il va appliquer la modif pendant 10 minutes. Et tant que tu lui dis pas c'est bon, ça fonctionne correctement, il va patienter les 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il va automatiquement faire retour arrière. Il va automatiquement faire rollback sur la modif que tu viens de faire. Et si avant les 10 minutes, tu dis commit confirmed, il annule le compte à rebours. Donc ça aussi très pratique parce que quand tu es en pleine mise en prod et qu'il y a un risque. Que ce que tu ajoutes fasse des erreurs, tu rajoutes un petit commit confirm de 5 ou 10 et tu sais que voilà, dans le pire des cas, ça part en vrille pendant 5 à 10 minutes et ça revient tout seul. C'est très pratique. J'ai dû l'utiliser un petit peu et un ancien collègue à moi en a usé beaucoup plus. Ça évite. The Tourist qui ajoute sa vie de ne plus pouvoir rentrer dans le bâtiment pour rebooter l'équipement. Je ne vois pas du tout ce à quoi tu fais allusion. Non. Aucune grosse entreprise n'aurait ce genre de souci. Encore moins le réseau social le plus utilisé au monde, enfin. Absolument pas. Bref, pendant ce temps, est-ce que je vais réussir à. Où est-ce que j'en étais, moi? Hop, je voulais. Nope, pas ici, pas ici. Hop, tiens, je me suis planté. Hop, allez. Ah oui, parce que je suis pas dans le répertoire de cible, forcément. Voilà. Pas de soucis, Virtual Labs. Merci beaucoup d'être passé. C'était sympa de discuter un petit peu avec toi. Bah tiens, d'ailleurs, on va peut-être faire aussi. Je sais pas si j'ai la possibilité de faire un petit shootout. Hop, pour Virtual Labs. Hop. Voilà. Hop. Je te souhaite aussi une bonne soirée, en tout cas. Allez voir Virtual Labs, il fait des trucs assez marrants. Très sympathique. Mais j'ai pas eu le temps d'aller voir récemment ce que tu avais fait de beau depuis la coach ou des trucs comme ça. Alors, donc ça, il n'y avait pas de soucis. Ah bah les requirements, parce que ça va qu'on les avait plus. Donc a priori, il nous manquait juste des dépendances, donc on va peut-être relancer notre playbook. Oui, c'est dingue parce qu'on papote, mais je lance même pas mes playbooks.
L'idée, c'était de pouvoir lire les trucs pendant que je lançais les playbooks, en fait. Pour pouvoir profiter des temps, entre guillemets, où je ne peux pas faire grand-chose. Bah, on se marre quand même bien avec nos histoires, je trouve. My playbook is running is the new, my code is compiling. Oui, complètement. 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 Alors par contre, alors effectivement, j'ai une chaise à roulettes, mais je n'ai pas d'épée en bois. On me dirait, ça peut peut-être s'arranger. Surtout quand Sibel est beaucoup plus lent que GCC. Carbex, est-ce que tu serais en train de sortir un nouveau débat type troll, après les gens qui trollent Vim versus Emacs, Perl versus Java? Et maintenant, on va avoir Ansible versus GCC, lequel est le plus lent? Et Coolgeek qui dit c'est normal que ce soit lent, c'est du Python. Ah, Carbex, c'est plutôt Team Vim. Merci à toi, Carbex. Team Vim forever. Ouais, ok, non, mais ça, je l'ai le module. Consider setting Ansible Python interpreter. Parce que je me vois mal avoir du Python 2 là-dessus. Voilà, bah, je lance Python et c'est Python 3. Donc, hop. Alors, un coup, bon coup de C++ en moins ou 3 avec des templates dans tous les sens et 30 libéries, c'est un mot du lourd. Je ne sais pas ce que c'est Butterfly Cool Geek. Raconte-nous. Pendant ce temps, donc a priori, il va falloir que j'aille. Allez, hop. Ansible.cfg. Hop, on va chercher l'interpréteur. Interpréteur Python égale. Si je mets auto, normalement je suppose que voilà, je suis parti de auto. Auto legacy silent. Bon, on va voir si mettre le auto ça passe. Et on va relancer le biniou. Pendant ce temps, ayez besoin que tu aies le module Python en question sur la machine ISP3 VP. Ah, VP. Ah, bah oui. Effectivement, maintenant que tu le dis, touriste, c'est peut-être ça. Écoute, j'ai lancé le truc, on va voir ce que ça donne. Je vais me connecter quand même sur la machine. ISP3 VPS2. Ah oui, mais non, mais hop, .example.com. Je vais finir par me générer un .ssh config, moi, pour ça. RPM-QA grep moins i python. Et normalement, j'ai pas de MySQL. Hein. Non. Alors. Hop, pendant ce temps, en fait, il y a quelques mois, tu étais sur DSVim en IRC, alors je sais pas sur quel réseau, et tu demandais un peu d'aide pour installer des plugins, et tu t'es fait bâcher, utilise pendant 6 mois un Vim Vanilla, et tu reviens ensuite pour tes plugins. Oh, c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de plugins en plus, hein. Je pense que vous avez remarqué, hein, mon Vim, il est pas ultra... Il est pas ultra. Ouais, effectivement, ça doit être directement sur le PyMySQL. Et bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va. Merci beaucoup pour le follow, Ion Didon. Merci à toi. On va l'installer via Ansible. Hein. On va le mettre dans notre rôle. Hop. Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'il propose de dire? PyMySQL. Ouais, bah de toute façon, ça va être le même package qu'avant, en fait. On va aller le récupérer. Bon, on va le récupérer là, tiens. Hop.
Voilà. Et on va lui dire. Oula. On va aller dans les tâches et on va lui faire. Hop. Est-ce que j'ai pas. J'ai pas de l'installation de package quelque part avant? Nope. Je sais plus si j'avais pas un rôle de base. Voilà, package de points name égal. Ok. Hop. Alors, je fais un ZZ par réflexe. Alors, la mémoire musculaire, parfois, c'est pas facile. Hop. Oh, on va l'appliquer pour de vrai. Allez, hop. Alors, cool geek. Confère XKCD 378. Ça doit être celui sur les gens qui attendent pendant que le code compile, qui jouent. Enfin, qui jouent. Qui se battent avec des épées sur des chaises à roulettes. Bah écoute, tu peux mettre le lien direct, oui, Cool Geek, tu peux. Et Carbex, par rapport à ton histoire sur Vim, en fait, ça a été le début d'une grosse révolution, car tu as commencé à t'intéresser aux. Ah oui, aux internals de Vim, donc au contenu. Enfin, ouais, sous le capot, quoi. Aux entrailles. Et maintenant, tu n'utilises plus aucun plugin et tu fais tout avec un petit Vimercé en utilisant. Que les entrailles de Vim. Alors, du coup, tu me fais me demander. Ah, si, j'ai quand même quelques plugins. Hein. Ah non, remarque, ils sont commentés. Ils sont commentés. J'avais essayé des trucs, visiblement. Et en fait, j'ai tout commenté. Donc, je suis aujourd'hui quasiment. Je dois être sans plugin. Alors, éventuellement, je vais jeter un œil au lien de Cool Geek, mais je ne le montrerai pas à l'écran, justement au cas où. Ah non, je pensais pas à celui-là, tiens. Je pensais pas à celui-là. Ah oui, d'accord, c'est encore un truc sur justement les sur Vim versus Emacs. Les vrais programmeurs utilisent une aiguille magnétisée et une et à la main. Les vrais programmeurs utilisent des des papillons. Non. Ah là là. Ok. Mais ouais, a priori, je remplace ZZ par CTRL Z. Non. Pourquoi, comment, Carbex? C'est quoi la. T'as. C'est. Enfin. Justifie. Ah, ne jamais sortir de Vim. Ouais, ne jamais sortir de Vim, effectivement, il y a moyen. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je la regarde à nouveau d'ailleurs, mais il y a une vidéo YouTube assez chouette qui a été. Je sais plus qui c'était qui l'avait sorti. Où justement, il y a plein de trucs comme ça où il annonce pour arrêter d'utiliser Vim justement comme un goré. Elle est ouf. Ah bah voilà, elle est là. Hop. Je vais juste. Non, je vais pas la lancer, mais je vais juste vous montrer la miniature sur YouTube. Sauf que si ça se trouve, il va me la. Voilà, c'est ça. Hop, il me la lance tout de suite. Heureusement, j'avais coupé le son avant, mais hop. Je peux vous montrer ça. Hop. Donc voilà. Comment arrêter de se servir de Vim comme un goré? Faudra que je la regarde à nouveau. Mais oui, voilà, Carbex. Bah, si ça fait partie des vidéos qui t'aident, moi, ça fait partie des vidéos qui m'ont aidé et qu'il va falloir que je regarde à nouveau.
Allez, je vous mets le lien. Juste sans les... hop. Tac. Et c'est fort pratique. Fort sympathique vidéo. Donc, normalement, unable to find slash root slash point mys. Access denied for root at localhost. Ah. Alors pourtant, il a copié un my.cnf avec les credentials. On va aller regarder ça. Nope. C'est censé aller où? Copy.my.cnf. Alors, est-ce qu'il aurait pas... Non plus. Alors, il est pas dans slash root. Hein. Il l'a fait pourtant. Hein. Il a fait une copie. Ah non, skipping. Skipping. Il l'a skippé. Ok. Et il a réussi. Il a réussi à retirer les utilisateurs anonymes. Mais il n'a pas pu retirer la base de test de MySQL. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais peut-être désinstaller MySQL, faire un bon petit RM de tout le varlib. Enfin, du coup, de MariaDB. Faire un petit RM de tout le varlib et repartir sur des bases saines. Parce qu'a priori, en plus... Enfin, s'il a fait tout ça, c'est qu'il a dû installer un chantier rpm-qa pipegrep-i mysql. On a le python 3-pi-mysql. Ok, on l'a. Formater, réinstaller pour être sûr. Oui, effectivement, cool geek. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Sudo dnf purge, je crois qu'on peut faire un purge. MariaDB-server. Hop, allez. Ah non, c'est pas pu. Ça marche plus. Ok, remove. Hop. Il me dégage tout ça. Et ben, c'est très très bien. Hop. Etc mycnf. Faut repartir du bout de PXE. Ouais, non. Il n'y a pas de bout de PXE là sur ce truc-là. Mais j'en avais fait un à une époque, alors pas en VM. Enfin, pas en VM. Pas dans un lab. Mais j'avais fait un bout de PXE sur mon LAN. Salut à toi, Dino. Bienvenue. Le nombre de fois que tu as dû supprimer, recréer une VM aujourd'hui, t'as perdu le compte. Alors effectivement, on pourrait la repartir de zéro, là, ISP3, VPS2, mais je pense qu'on le fera une fois que tout sera fonctionnel. On le fera une bonne fois pour le principe. Donc, etc. My. Hop. Hop. On va aller dans varlib. Varlib. Tiens, il y a un MySQL. Allez, tu vas dégager. RM-RF MySQL. ID MySQL. À la limite, l'utilisateur, on va le laisser. Hein. C'est toujours ça de... Tu devrais faire une VM avec overlay. Oui, effectivement, je pourrais. Genre, je crée... je fais un snap et puis ensuite, je restore le truc. À l'occasion, ça pourrait être une idée, ouais. De snapper les VM. Bon, ça c'est vu. Allez, c'est reparti pour un tour. On marque pgrep Maria. MySQL. Non, c'est bon. Remarque. Ouais, non. Donc, voyons voir ça. Tu vois, c'est pareil, là, je me disais, mince, j'ai pas forcément effacé mon fichier de log Ansible, et du coup, si je commence à aller regarder dans les logs Ansible, qu'est-ce qui se passe, je vais avoir toutes les manips de ce soir.
Alors, donc il nous rebascule la partie Nginx. Hop, ah, il installe les dépendances Python. Voilà. Il l'a fait. Là, il est en train de tout nous installer ce qu'il faut. Et donc, il est en train d'installer les packages MySQL. Allez. Tiens, je vais en profiter pendant ce temps pour vous parler d'un truc parce que donc là je suis en train de faire du code. Ce code, il est donc disponible sur GitHub. Merci pour le follow, Carbex. Merci à toi. Alors, bon, je vais raconter mon truc après. Ça n'a rien à voir. Je ne sais si on t'a déjà posé cette question. Est-ce qu'il est nécessaire pour un sysadmin de connaître SQL et les SGBDR? Alors, nécessaire, je suis tenté de te dire que dans l'absolu, il vaut mieux avoir au moins quelques bases MySQL, histoire de savoir un peu de quoi on cause, et justement d'avoir une petite idée du, hein, un peu au moins d'avoir vu et étudié un petit peu le langage SQL, ouais, au minimum du MySQL, MySQL, MariaDB, grosso modo. Ne serait-ce que pour pouvoir ensuite aborder les autres SGBDR si jamais un jour tu te retrouves à devoir en gérer d'autres. Moi je sais qu'aujourd'hui ça me... comment dire... voilà, Postgre éventuellement comme le dit Cool Geek. Mais en fait c'est que moi aujourd'hui je sais que j'ai pas fait beaucoup de SGBD. Et quelque part c'est des compétences qui me manquent. Je vous le dis en toute honnêteté, hein. Je suis pas très doué sur les SGBD. Je sais même pas si je peux considérer que j'ai les bases, mais et je pense que ça me manque. Donc faut pas faire confiance au DBA pour installer correctement une SGBD. Oui, effectivement, être DBA, c'est un taf à part. C'est complètement un taf à part. Mais disons que ouais, voilà, avoir des bases et savoir un peu se débrouiller au moins sous MySQL MariaDB, ça me semble aujourd'hui faire partie du minimum. j'aime beaucoup le petit jeu de mots de Cool Geek, effectivement. Avoir juste des bases sur les bases, c'est pas essentiel, mais ça peut être bien. Et c'est vrai, des fois, il faut intervenir. Voilà, c'est ça, exactement, Dino. Il n'y a pas de souci. Donc, où en étais-je, moi? Bah, bon, du coup, je raconterai ma suite, la suite lors d'un autre truc. Alors, pour le moment, il dit quoi? Ignoring sleep, parce que ce n'est pas use in systemd. Ok. Merci beaucoup pour le follow, Grisky. Merci à toi. Ok. Donc, je suspecte, mais on va quand même le faire pour le principe. Alors déjà pour le principe, vf tmp ansible.log, parce que c'est là que je l'ai mis. Et ensuite, on va relancer le truc. Normalement, grâce à ce qu'on appelle l'idempotence, je devrais pas avoir de soucis. Et pendant que ça tourne, merci beaucoup à toi, Davidou, pour le follow. Merci beaucoup. J'en profite, puisque a priori ce soir il y a quand même pas mal de follow, pour vous inviter à penser aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube qui correspond à cette chaîne Twitch, si vous n'êtes pas déjà en train de regarder cette vidéo sur YouTube. Parce que on avance gentiment sur le nombre de follow aussi sur Twitch, mais et on avance aussi gentiment d'ailleurs sur le nombre d'abonnés YouTube. Mais si jamais vous voulez voir ou revoir certains passages des anciennes vidéos, il y a de quoi faire. Et Carbex qui nous ajoute que tu t'es déjà retrouvé en mission sysadmin à réécrire les requêtes SQL des DBA. Ah oui, quand même. Quand même. C'est... oui, ça peut arriver ce genre de choses.
Mais donc voilà, pour revenir sur la question à la base, ouais, en administration système, ouais, vaut mieux avoir. Ah bah écoute, c'est nickel, parfait. Hop, il y en a deux qui ont changé. Hop, on va aller regarder ça. HTMP ansible.log. Alors, check weather, nanana, ça c'est bon. Tu n'oses pas aller voir tes DBA, ils ont tendance. Oh, bah mince alors! C'est un peu triste ça. Hop, bon, lesquels ont changé? On va peut-être faire changed plutôt. Ah bon, ça c'est le git. Ok. La partie git. Faudrait que je trouve un truc mieux, hein, parce qu'à chaque fois ça fait un changement. Donc c'est pas très idem potent. Moi aussi j'aurais du mal avec les jointures, mais je ne suis pas DBA. et après celui-ci, nanana, ça a l'air d'être pas mal. Ok, donc ouais, deux changements à cause de cette petite histoire de Git. Ok. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a un MySQL, la question c'est si je fais un MySQL comme ça, moins U, root, je suis dedans. Si je fais un show database, j'ai information schéma. MySQL, performance schéma. C'est plutôt bon signe ça. C'est plutôt bon signe. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Là, honnêtement, on a un premier truc qui est pas trop mal. Alors, Carbex qui nous dit, mais l'ironie c'est que je suis un G6 et à la fac j'ai eu 0 en théorie des systèmes d'exploitation et ma meilleure note c'était en BD. Pas mal, pas mal. Zéro en théorie des systèmes d'exploitation. Alors, pour être honnête, je ne vois pas exactement à quoi correspond ce genre de cours. Parce que moi, je suis pas allé à la fac, entre guillemets. Je suis allé en IUT. J'ai fait un DUT et une licence pro. Donc, théorie des systèmes d'exploitation, j'ai pas eu. J'ai eu des cours de système, mais alors, théorie des systèmes d'exploitation. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça correspond. Et je suis curieux du coup. Je suis très curieux. Oui, peut-être la manière dont fonctionnent les OS. Probable, Dino. Donc. Ah oui, carrément. Carrément. Alors je l'ai pas lu le Tannenbaum, mais il paraît que si on a du mal à dormir, c'est un excellent bouquin. Il paraît, hein. On va aller voir la documentation du rôle de chez Gerling. Non, c'est pas celui-ci. Alors, The Tourist, étant un touriste, oui, effectivement, c'est écrit dans ton pseudo. Tu t'es pointé en IUT, t'es parti, et tu t'es pointé à la fac, et t'es parti aussi encore plus vite. Ah, bah mince alors! Carbex, les horloges de l'emport. Ouais, c'est la théorie, moi, ça. Ah, bah oui, il fallait que tu codes. Ah, bah oui. Ouais, je peux comprendre au bout d'un moment la théorie. Enfin, moi, j'aime bien effectivement pratiquer aussi. Alors, il est passé où MySQL? Hop là. Oh, il a même fait un rôle pour GitLab. Classe. Il a fait un rôle pour HAProxy. HDparm, tiens. Je suis pas allé un peu plus loin, un tout peu trop loin. IJKLM, voilà, M. MySQL, allez. Salut à toi, Grisky. Cool, le TP serveur Linux sur ta chaîne YouTube. En tant que Windowsien qui souhaite tranquillement se familiariser avec Linux, je vais tenter d'aller au bout. Eh ben, merci. Merci, Grisky. Profites-en bien de ce TP. Enfin, de ces TP. Je crois pas les avoir tous publiés pour l'instant, mais ça ne saurait venir.
Surtout que va y avoir quelques modifs, je pense, sur les intitulés de TP. Du coup, les vidéos risquent de plus être forcément en raccord avec le texte sur GitHub. Je pense que je ferai une branche, j'essaierai de créer une branche genre 2022 pour que tout reste dedans et je préciserai dans les vidéos, référez-vous à la branche 2022. Mais profite là, je crois qu'il y a 9 vidéos qui sont sorties qui te permettent d'aller, je crois, jusqu'au TP 10 ou 11. Je sais plus exactement, mais voilà. Donc, moi ça me fait plaisir que les gens les regardent. Et d'ailleurs, sur le serveur Discord de la chaîne, il y a, pop, 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 pom, il y a un membre de la communauté qui justement bah c'est Cam84 qui les a fait aussi et moi je suis franchement preneur de retour bah, des retours de Cam ou pourquoi pas des retours de toi aussi Grisky pour une raison très simple c'est que moi aujourd'hui ces TP là je les ai fait pour les donner en cours à des étudiants mais l'idée c'est que le plus grand nombre puisse en profiter. Alors les étudiants ne sont pas forcément en position de dire ouais mais monsieur peut-être que ce que vous faites là c'est pas super, ce serait mieux si vous pouviez faire comme ça. Toi Grisky, t'as pas cette comment dire t'as pas cette bah t'es pas un de mes étudiants donc quelque part quelque part t'as pas la problématique de en face c'est un prof. Donc n'hésite pas si tu vois des choses qui peuvent être améliorées. C'est ça, exactement, t'es plus libre de me faire des réflexions. Et je suis preneur. Je suis preneur. Justement, ça m'améliore moi, ça améliorera les étudiants des années prochaines, enfin voilà. Et potentiellement d'autres personnes qui regarderont les TP. Pendant ce temps, salut à toi Before That, bienvenue. Et Carbex qui nous raconte que Tannenbaum, il faisait coder un Unix chaque année à ses élèves, contrairement à ton prof qui restait sur un tableau. Ah bah ça, disons que faire coder un Unix chaque année à tout le monde, ça doit pas être évident non plus, hein. Fallait peut-être le suivre, le Tannenbaum. Du coup, j'ai arrêté d'enseigner. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, je fais des vacations. Dans une école. Là, en début d'année, pour l'instant, on est sur les bases. La découverte du Shell. Introduction à Linux, d'ailleurs, le cours s'appelle. Donc, on apprend. Ils apprennent pour l'instant. Elle et ils apprennent le Shell. Les bases, hein, les commandes, genre CP, MV, CD. Ils avancent bien, ils avancent vite, ça, c'est cool. Comme toi aujourd'hui, ok. Et ensuite, en fait, en deuxième semestre, eh ben, c'est les TP que veut regarder Grisky. Et en fait, pour la petite anecdote, donc en début de cette année 2022, quand j'ai fait les vidéos, en fait, c'est que j'avais cours le mardi ou le mercredi. Donc on faisait les TP en classe le mardi et le mercredi. Et moi, ensuite, le dimanche, je streamais ce qu'on avait vu en classe. Et je faisais les manips moi devant mes VM. Et donc comme ça, s'il y a des étudiants qui voulaient revoir ça, et ben ils en avaient la possibilité. S'ils le voulaient, hein, je les obligeais pas. Alors, c'est ni pour l'un ni pour l'autre, figure-toi. C'est pour un master qui à la base est en histoire. Et en fait, le master s'appelle Technique numérique appliquée à l'histoire. Et du coup, en fait, ce sont des étudiants qui, à la base, ben, ont un parcours en sciences humaines, en histoire, et ils ont besoin d'un vernis technique. Et donc, je fais partie des personnes qui leur donnent ce vernis technique. Ils apprennent aussi à programmer, hein, ils ont des cours de Python, par exemple. Ils ont aussi des cours d'expression régulière. C'est assez... Franchement, c'est même ne serait-ce que l'année technique, moi, je serais pas contre aller voir les cours des autres profs.
J'apprendrai plein de trucs, j'en suis certain. bref, alors, allons-y. Revenons à notre histoire de l'Ansible, enfin du rôle MySQL. Est-ce qu'il est capable de dire, vas-y, colle-moi une DB en plus. Ah. Ah mais c'est écrit underscore Debian, dommage. Alors. Alors, les nanas, ça on a. MySQL Server ID. Ah oui d'accord, il... ok, on est capable d'aller paramétrer le serveur MySQL, la conf, le my.cnf. Ça je pense qu'on y touchera un peu plus tard. Mais j'aurais bien voulu... D'accord, on est capable... Voilà, ça c'est très bien. Ça, ça me va. Allez. Tiens, on pourra même reparamétrer un, route, un mot de passe route. Ok. Tiens, on va peut-être faire ça. Hop là, allez. Alors... On va aller ici, on va faire pouf, non, pas pouf comme ça. Set paste. Hop là. Voilà. Unset paste. Non, c'est pas unset, c'est Si, c'est unset. Ah non, c'est set no paste. Voilà. Hop, alors. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller regarder sur dvwa.co.uk. Hop. Oh punaise, c'est pas ça que je veux. Mais c'est pas... Ils se sont plantés sur le... Alors attendez, je vais regarder ça. Hop. Si je tape dvwa. Pour Damn Vulnerable Web Application. Il n'était pas sur un .co.uk ? Ah, il est sur GitHub. Ok, hop. GitHub. Hop, database setup. Il est où ? Database setup. Voilà. Alors... Donc normalement, a priori, voilà, il va falloir qu'on crée les... Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que le name de la database, bon, on va l'appeler dvwa. Voilà. Mais ce que j'aurais voulu, c'est voir si l'encoding était... il doit y avoir un point SQL quelque part. Il est où? Config database. Voilà. Create MS SQL Oracle PostgreSQLite. What? SQLi.db. Non. Ça, c'est bizarre ça. Bon. Il n'a pas un truc à balancer directement. Ok, très bien. Et ben, on va espérer que. Alors, je serais tenté de vouloir même carrément enlever les variables sur l'encoding. Ce que je vais faire, c'est qu'on va dire hop ici. Alors vous savez que ici, étant donné que hop, que j'ai du que c'est du lab, généralement les mots de passe, hein, je mets vraiment des trucs bateaux.
Mais ça pourrait être pas mal à l'occasion. Parce que là, je vais mettre un mot de passe en clair dans le. Comment dire? Dans un playbook. Je pense que j'essaierai à l'occasion de faire un. Mince. De faire un Ansible Vault. Il faudrait que je me le mette en to do. DVWA, latin 1. Ouais. Il n'y aurait pas un encoding UTF-8 par hasard. Tant qu'à faire. Et ici, on va faire hop, name. Bah, DVWA. Le host, ça va être localhost. Hop. Là, ça va être. C'est quoi par défaut? Tiens, sur la config de DVWA. Servez 3W. Public. Hop. Alors, il dit DVWA, DVWA sur et le mot de passe, il met comme ça. Hop là. Voilà. Example underscore DB. Ah oui, bah non, ça ce sera DVWA. Voilà. Et ce qui dit qu'il a besoin d'un encoding particulier, a priori non. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va essayer sans les encodings, tiens. On va les commenter, on verra bien ce que ça donne. Toute façon, il a des valeurs par défaut, normalement, le MariaDB. Et c'est reparti. Alors. Et on va relancer le playbook. Voilà. Alors. Pendant que le playbook se déroule, je crois qu'il y a un truc que j'avais commencé à vouloir dire et je ne sais plus où j'en étais. Par défaut, il va probablement faire de l'UTF-8 MB4. Moi, ça me va très bien, The Tourist. C'est ce que j'aurais voulu lui mettre sinon. Et si jamais Ishwin qu'il n'a rien, et ben on mettra UTF-8 MB4. Pop, 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 pom. Oh, je croyais que j'avais un truc intéressant à vous raconter. Je vous avais parlé de la chaîne YouTube. Si, oui, tiens, si c'était ça, c'était les histoires de code. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc en gros, on est actuellement au mois d'octobre. Et, pop, 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 pom, et il y a un truc pendant le courant du mois d'octobre qui est le Hacktoberfest. Hop, Hacktoberfest. Et ça, je voulais vous en parler. Parce que c'est un truc que je trouve assez sympa. Qui est organisé par Digital Ocean, Upright et Docker. Mais à l'origine, le concept de l'Hacktoberfest, il était porté surtout par Digital Ocean. Alors, j'ai aucun. Comment dire? J'ai aucun. Je suis pas actionnaire ou membre de ces organisations. En fait, le principe de cet événement, c'est d'initier les gens à la contribution à des projets open source. C'est pour ça que je vous en parle. Je trouve ça assez intéressant comme principe. Ça permet au moins, je dirais, aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller essayer de découvrir. Le monde de l'open source et d'apprendre à contribuer. Pas forcément à contribuer avec du code, hein. Ça peut arriver que des gens. Merci beaucoup pour le follow, Azwek. Merci à toi. Ça peut arriver que des projets aient besoin de contributions, mais de contributions de type, par exemple, traduction, documentation. Et pas seulement du code. Et ce qui est assez cool, c'est que. Alors en fait, Dinos, c'est partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un mois, tu t'inscris. Alors tu t'inscris sur le site.
Et tu lis soit ton compte GitLab.com, soit GitHub.com. Et ensuite, tu as plusieurs possibilités. Soit tu as des projets open source, et dans ce cas-là, tu vas rajouter des tags sur certains de tes projets pour dire ce sont des projets qui sont éligibles, entre guillemets, à l'Oktoberfest. Soit tu vas, toi, aller chercher des projets, justement, grâce à ces tags Oktoberfest. Et voir si tu peux y contribuer. Et en fait, si jamais tu fais au moins 4, je crois c'est 4 pull requests qui sont acceptés durant le mois d'octobre, tu peux faire partie d'un certain nombre de personnes qui seront tirées au sort, si je me rappelle bien. Je crois qu'elles seront tirées au sort, je suis pas sûr. Mais en gros, ils ont... Tu peux entre guillemets gagner, mais t'as le choix. Où est-ce qu'ils disent? Hop, about, hop là. Non, ça c'est le lore. Tac. Participation, contributeur. Voilà, les... Ah, les... Non, c'est même pas du tirage au sort, c'est les premiers 40 000 participants. Mainteneur et contributeur qui complètent. Ah, les mainteneurs. Ah, d'accord. Ok, donc on peut avoir des trucs. Alors, moi, je le fais pas forcément pour ça, mais je vous en parlerai après. Mais donc, les 40 000 premiers participants peuvent recevoir l'un des deux prix. Donc, soit un arbre est planté en votre nom, soit vous récupérez le t-shirt Oktoberfest de cette année. Personnellement, moi je vous le dis, hein, si jamais je fais partie des 40 000 premiers, alors plutôt dans la catégorie mainteneur, je pense, ou contributeur, pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de truc en vue à contribuer. Moi, si je faisais partie des 40 000, je demanderais l'arbre. Les t-shirts de geek, j'en ai déjà plein. Mais toujours est-il que voilà, en gros, entre le 26 septembre, bon. On est un peu à la bourre. Et le 31 octobre, on a encore des jours, ça va. Des pull requests qui peuvent être faits sur GitHub ou sur GitLab. Et donc qui participent à l'Oktoberfest. Et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que si jamais certains parmi vous, certaines ou certains parmi vous, veulent participer, sachez que sur mon profil, enfin dans mes repos GitHub, j'ai mis des repos en Oktoberfest. J'ai mis le tag, j'ai mis le topic Oktoberfest, notamment RunLab. Je sais plus si le cours, je l'ai mis le cours TP Linux. Si je l'ai mis en Oktoberfest, à la limite, ça pourrait être une idée. Je vais regarder parce que là, j'ai un gros doute. Cours serveur Linux. Est-ce que je lui ai mis Oktoberfest? Oui, je lui ai mis Oktoberfest. Hop. RunLab, qui est un petit outil que j'ai créé pour me faciliter le démarrage de mes labos en libvirt. Il est bien entendu sur l'Oktoberfest. Il l'était déjà l'année dernière en plus. Et je crois que j'ai dû mettre le labase code. Ouais, je l'ai mis aussi. Donc le truc là sur lequel je suis là ce soir, le code là, le dépôt, vous pouvez y contribuer. Et ça peut compte, ça peut, comment dire, ça peut compter si vous participez à Oktoberfest. Donc n'hésitez pas. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai eu un fork. J'ai eu un fork. Hop, j'ai eu un fork sur mon repo. Tiens, c'est marrant ça. Qui c'est qui a forké? Ah non, tiens, je vois pas de fork. Bon. Peut-être que quelqu'un l'a forké dans un truc. Ah si, je vois. Ok, non, il y a quelqu'un qui s'est amusé à le forker. Ok. Je vais pas aller le entre guillemets le doxer devant tout le monde. Mais c'est assez cool. C'est assez cool. Donc voilà. En gros, il faut avoir au moins 4 pull merge requests acceptés avant le 31 octobre pour pouvoir faire partie des peut-être 40 000 premiers.
Mais donc, moi, j'accepte, enfin voilà, je fais partie plutôt des mainteneurs de projets, on va dire. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous dire si jamais vous avez envie de participer, bah, allez jeter un œil sur GitHub et sur GitLab. Tiens, d'ailleurs, je vais même vous envoyer le lien vers hop, le site, voilà, Oktoberfest.com. Et si jamais vous regardez cette vidéo bien longtemps après le mois d'octobre, bah, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel pour le prochain mois d'octobre ou à quand même contribuer à d'autres projets sans forcément attendre Oktoberfest. Voili voilou. Alors, pendant ce temps, a priori, on a eu des choses. On a eu des choses. Ouais. A priori, ça marche. Alors, on va revenir sur ici. Et si je fais un MySQL moins U route. Ok. Show database. Enfin, show database. J'ai une base de données DWR. Oh, ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Et bah, ce qu'on va faire. Hop. Hop, on va aller ici, on fait un cp-vp du config.php, config.php, hop, voilà, et on va retourner, hop, non pas au Oktoberfest, mais, non, pas ici, plutôt ici, hop, contrôleur, ah, j'ai une page blanche, alors, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le install index.php not found. What? Public. La date de quand? 29 septembre, donc ça c'est pas bon. Stack trace. Ah si, là, 6 octobre. Face CGI a envoyé une erreur. Call to any function MySQL connect. Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas le module PHP pour MySQL. Ok. Role DVWA et on a dit requirements.yaml. Voilà. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Alors. Ouais, non, je vais le rajouter ici. Hop. Et du coup, on va relancer le Binu une nouvelle fois. Ah. Ah, il a trouvé un duplicate using last design. Ouais, ok, bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Mais donc, Dino, ouais, tu ferais la même chose que moi, tu choisirais l'arbre. C'est cool, ouais. Moi, ça me plaît. L'arbre. Mais bon, à mon avis, les 40 000 personnes, ils vont les avoir. Ce serait chouette si c'était 40 000 arbres, d'ailleurs. Bon, ça rendrait le t-shirt encore plus. S'ils ont déjà des stocks de t-shirts, ça rendrait le t-shirt du Oktoberfest 2022 encore plus collector parce que personne l'aurait. Allez. On y croit, ça va bien se passer. Voilà. Est-ce que le truc va se planter ou pas? Donc ça, il les a. Ok. Alors, à quel moment il va... A priori, il me dit que tout va bien. Je crois que il doit me manquer des variables. Je pense qu'il me manque des variables. On va aller regarder du côté de chez
Hop, Ansible Galaxy, hop, mais c'est pas le, c'est le PHP-MySQL, je crois. Voilà, PHP-MySQL. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? À part l'activer. Ok, normalement on l'a installé. Et dans le README, il nous dit PHP enable repo, mais ça c'est. Ah, PHP MySQL package. Ok. Hop là, on va le mettre ici. Alors la question c'est est-ce que c'est bien PHP-MySQL? Ou est-ce que ce serait pas MySQL-ND? Est-ce qu'il n'y aurait pas un MySQL-I? Non. Mince, il n'y avait pas un truc que t'es. Attends, PHP ODB, non? ODBC, mais non, c'est pas ça. Ah oui, PHP-PDO peut-être. Il y a peut-être des PDO quelque chose. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter ma chance avec PHP-MySQL-ND. Ah tiens, il y a besoin d'upgrade au passage. À moins qu'il y a un PHP search MariaDB. Ok, est-ce qu'il y a un PHP? PHP, PHP MyAdmin, non. On va aller relancer. Grep PHP. Alors il est comment? PHP-FPM. System CTL. Restart PHP-FPM. Ok. Et si je reviens dans ici. Ben, voilà. Là il est pas content parce qu'effectivement je n'ai pas. CPM VP public. C'était où dans config? Config. Dans public config config, hop, voilà. Non, toujours pas. Tail-f dans les logs, error.log et non, MySQLi connect. Donc il veut vraiment le driver MySQLi. Ah, flûte. Alors est-ce que c'est juste parce que là le DB ok MySQL define MySQL SQLite. Oui, c'est vrai que j'aurais pu utiliser SQLite pour salut à toi, notre Mikado. En gros, à la base, j'essaye de monter un labo avec des machines virtuelles en infrastructure as code. Hop, voilà le schéma. Et en fait, on est sur cette VM-là et on essaye d'installer via Ansible. Ouais, je dis un labo, mais en gros, c'est plus une maquette. Donc ça me fait un petit environnement. Enfin, je dis labo parce que d'habitude c'était plutôt home lab. C'est à cause des gens qui font du home lab.
Et en gros, là, j'essaye d'installer via Ansible, j'installe et je configure une base de données MariaDB pour pouvoir installer un truc dessus. A priori, on est. Il me faudrait vraiment SQLi. Alors, la question que je me pose, et on va aller regarder ça vite fait un instant dans php.d, éventuellement. Est-ce que j'aurais grep-ir mysqli dans tout ça? Ah bah oui, et puis en plus. PHP-MySQLND. Donc j'ai eu raison de l'installer. Hop. On le voit tout en bas. Ah bah oui, tu l'avais vu. Il était ici. Bien vu. Alors. Donc l'extension est a priori chargée. Eh bien en gros, lorsque j'ai... alors, hop, tail. Remarque, ouais si, à cette heure-ci. Il me dit error, MySQLi, permission denied. Ah non, il a dit permission denied. Ok, c'est pas la même erreur. Ok, je commençais à penser que c'était la même chose. Permission denied dans le include dwa page ligne 498. Ah. Permission denied. Ok. Donc on est pas loin. Je pense qu'on n'est pas loin. Après, ça va être bientôt l'heure de se quitter. Nginx. Ah bah oui, mais comme c'est un FPM DVWA. Alors non, notre Mikado. Je pense que là, c'est plus un problème de passage de session. Parce qu'en fait, si je fais un PSAUX3W pipe grep PHP. Pool DVWA. Non, ça appartient à Nginx, donc ça devrait être bon. Ça devrait être bon. En termes de droit. Enfin, du coup, ça ne l'est pas. Donc, enfin, c'est pas si bon que ça, en fait. Slash var, a priori Nginx pourrait aller dedans. Var run, il est où run? Il est là, c'est un lien symbolique vers A. Donc slash run. Donc a priori, là il pourrait y rentrer. Et j'ai bien un fpm-dvwa.soc qui est donc un socket qui est disponible en RW. Et je veux pas qu'il soit en read sur tout le monde ou en read write sur tout le monde. Ah tiens, j'ai php-fpm qui est dans le coin. Run php-fpm. Ah, faudrait plutôt que je le mette là-dedans en fait. Systemctl stop. Php-fpm. dvwa.conf. List allowed client 127.0.0.1. Ah, alors attends. Là, il disait quoi? Client. Non, client 10.0.0.1, ça c'est bon. Ça c'est le serveur. Enfin, c'est le client, ça c'est bon. C'est juste le client, c'est pas le. Permission denied. Permission denied dans slash srv3w. Est-ce que ça serait pas du SE Linux? Si je fais un grep-z denied, -ir denied, var log audit étoile.
Non, a priori. PID 771. PipeFS. Ah, quoique. Non, remarque SSS cache. Non, on voit pas de. Alors, je suspecte que ce soit ça la date. Mais. Ah ouais, c'est logic.log.1. Donc ce serait plus ici. Voilà. Ici, on voit bien comme php-fpm. J'ai le PID et en fait. C'est que je n'ai pas autorisé MySQL. Je n'ai pas autorisé PHP-FPM à se connecter à un MySQL. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous demander 2 secondes. Hop. Alors. Pop, 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 pom. Ce qu'on va faire, c'est vite fait aller ici et dire PHP FPM SE Linux. Et normalement, il doit y avoir. Voilà, c'est ça. Hop. Et alors, quel est le bon truc? Alors, on ne va surtout pas désactiver, mais c'est le setCboole. Ok. Alors, on va l'appliquer. Et après, on va voir comment le mettre via Ansible, je pense. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois, en fait. Hop, on va revenir là. Et je vais juste. Bad Gateway. Donc, ça, déjà, c'est mieux. Ça c'est mieux. Bad Gateway, ça c'est mieux. Log error.log. Connect to Unix var run. Ah bah oui, forcément il a fail puisque lui il est fait pour se configurer ailleurs. La question que je me pose, c'est est-ce que du côté du truc de Jeff Gerling, est-ce que le SE Linux il le gère? À la limite, on verra ça la prochaine fois. Ce que je vais faire moi de mon côté pour le moment, c'est que je vais me mettre ici un to-do dans hop ici. Voilà. Hop. Ça. Ah bah oui, bien sûr, notre Mikado, bien sûr, un petit GitHub. Ça va être indiqué, t'inquiète pas. Je vais sortir ma petite routine de fin de stream. Donc il y a le setCboole et il faut que je mette aussi fixe alors, todo. Hop, fixe. Puisque là du coup je l'ai modifié. Fixe le path to. Alors je vais pas committer ce soir. Hein. On fera ça la prochaine fois. Fax tout. Hop. Point soc. Voilà. Voilà. Comme ça pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour le follow, notre Mikado. Merci à toi, c'est très gentil. Voili voilou. Donc, hop, on va revenir comme ça. Et donc, on va en rester là pour ce soir. Alors, j'espérais avancer plus vite sur le sujet, mais je trouve que j'ai quand même appris et vu et revu pas mal de choses intéressantes. Notamment, bon, les petites problématiques de paquet Python. Et effectivement, SE Linux qui vient nous mordre au dernier moment. Mais ça fait partie des, j'ai envie de dire, ça fait partie des choses à voir. Si jamais vous avez envie qu'on continue si vous voulez continuer à voir mes aventures sur ce sujet et sur d'autres. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux, et ça inclut du coup GitHub aussi, notre Mikado, en faisant point d'exclamation socials dans le chat ici présent, avec un S à la fin.
qui va vous renvoyer vers anotherhomepage.org, ma page perso, sur laquelle vous retrouvez tous mes réseaux sociaux. Vous allez retrouver notamment mon Twitter, qui est de toute façon là-dessous. Vous allez retrouver donc mon GitHub, ce que voulait notre Mikado. Et le code que vous avez pu voir ce soir, donc il est dans le projet lab-as-code. Et vous avez aussi le lien vers le Discord de la chaîne, vers le serveur, dont vous avez en plus l'adresse en dessous. Mes autres réseaux sociaux, je pense à Mastodon, je pense à Instagram, et aussi la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui, au moment où j'enregistre ici, est à environ 466 abonnés. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, comme l'avait fait Grisky. Merci à lui d'ailleurs. Ça, c'est si jamais entre les streams, vous avez envie de voir encore plus de contenu et de discuter avec d'autres personnes et moi. Si jamais vous voulez me revoir en live, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h. Alors bon, cette fois-ci, j'ai dû décaler un petit peu. Les dimanches de 18h à 20h. Les streams des jeudis sont sur ce thème-là, donc le labo réseau Ascode. Donc on se fait cette maquette d'Internet avec des services divers en infrastructure Ascode et en outils de gestion de configuration. Et le dimanche, ces derniers temps, c'est un peu cybersécu, mais ça va pas forcément durer, c'est juste un petit passage comme ça. Où je fais, alors ces derniers temps j'ai fait joujou avec des challenges sur TryAcme. Normalement je pense que le dimanche qui vient sera le dernier de la série. Enfin je dis ça, mais si ça se trouve ce sera pas le cas. Bien entendu, sinon c'est pas drôle. Toujours est-il que voilà, j'essaye d'alterner en fait entre les streams des jeudis et les streams des dimanches deux sujets différents, histoire de pouvoir éviter d'être, d'être tellement focus ou d'avoir tellement la tête dans le guidon qu'on ne sait plus où on en est. Ce qui parfois est quand même le cas, puisque le dernier projet, gros projet des dimanches, c'était du Kubernetes, et c'était pas évident. Ceci étant dit, attention, jeudi prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas stream. J'ai une indispo. J'ai demandé à la communauté sur le serveur Discord si vous souhaiteriez qu'on avance du coup le stream au mercredi, à la veille. Donc n'hésitez pas à aller me dire sur Discord ou sur les réseaux sociaux si ça vous va qu'on bouge le stream au mercredi. Et puis sinon, le stream sera juste annulé et puis il y en aura de toute façon un le jeudi d'après. Voili voilou, c'est... tu n'as pas vu le message. Est-ce que je l'ai envoyé correctement d'ailleurs? Hop. Tatalitaloum. Alors. Il est dans le canal général. Il est dans le canal général. Tu peux retourner voir Dino dans le canal général. Je l'ai envoyé à... Je l'ai envoyé à 18h09. Avant de se quitter, est-ce qu'on se ferait pas un petit raid? Ah bah tiens, allez, vous savez quoi? Il y a VirtualLabs qui est passé nous voir tout à l'heure. On va aller le saluer. On va aller lui dire bonsoir. Et puis, si ça se trouve, il va nous montrer des trucs sympas. Allez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer, du coup, la page de fin de stream. Et puis, rester dans le coin. Ah, notre Mikado, tu me dis qu'il y a une erreur dans mon lien Twitter. Eh ben, écoute, j'irai la corriger. N'hésite pas à m'envoyer l'erreur. Ou alors, je regarderai moi-même, je jetterai un œil à ça. Merci de me l'avoir signalé. Ouais, en cliquant dessus, erreur, la bonne, c'est effectivement. Ok, écoute, je vais corriger ça rapidement, genre dans les 24 heures. Et puis j'espère que ça passera bien. Allez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le raid vers VirtualLabs.
Je vais lancer la page de fin de live, mais restez là pour aller raider notre ami Virtual Abs. Bye bye, à bientôt.